Alors, un Tesla Semi livre des superchargeurs préfabriqués sur le circuit de Laguna Seca. Ah, pour faire des tests en Tesla, du coup. Donc, le camion est toujours en développement. Le circuit installe des bornes superchargeurs de la firme d'Elon Musk sur ses infrastructures. C'est un nouveau modèle de station préfabriquée que Tesla a installé à Laguna Seca. Le constructeur avait déjà testé ses stations en mars, avec une installation de 12 bornes en 8 jours. Le circuit de Laguna Seca est populaire auprès des propriétaires de Tesla ainsi que des préparateurs. La marque elle-même a effectué des records sur ce tracé. La présence du semi pour effectuer cette livraison est une manière pour Tesla de faire coup double. En effet, à défaut de savoir quand le camion électrique arrivera sur le marché, la marque montre que le modèle peut effectuer des tâches dignes d'un poids lourd. La commercialisation du Tesla semi est toujours sujette à la fabrication des cellules 4680. De fait, il n'arrivera que l'année prochaine, voire l'année suivante au mieux. Donc voilà, petit coup de pub hein, pour Tesla. Et quoi de mieux que le Tesla Semi pour installer des superchargeurs Tesla du coup? Incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Ciao.